C'est parti. Animation. Avec Frozen et Pokéstar, un nouvel épisode de Pokémon Lune. Ah, te voilà. Laisse-moi t'expliquer deux ou trois choses. Afin que tu te couches moins bête. Et Romain. À certains moments... Amuse-toi avec ça. Tu tomberas sur ce qu'on appelle des barrières des capitaines. Derrière ces barrières se trouvent des Pokémon redoutables. Normalement, tu n'as le droit de passer que si tu es accompagné d'un dresseur vétéran. Mais vu que tu fais ton tour des îles, il te suffit de réussir l'épreuve pour pouvoir passer. Bon, maintenant, admire le capitaine, un claquement de doigts et hop. Ton terrain de jeu s'est un peu élargi. À Melmel, il n'y a qu'un seul et unique capitaine, moi-même. Cela veut aussi dire qu'il n'y a qu'une seule épreuve. Bref, file annoncer au doyen que tu as terminé l'épreuve. Au cas où tu l'aurais oublié, le doyen de Melmel, c'est Pectorius. Ah, il y a Euphorbe. Quoi de neuf ? Vu la tête que tire Altéo, j'en déduis que tu as réussi la première épreuve. Ça se fait, je n'ai pas de cadeau pour toi, mais je peux te parler de la Force Z. D'abord, ouvre la poche Cristaux Z de ton sac et choisis celui que tu veux utiliser. Ensuite, donne le Cristal Z à ton Pokémon. Si ton Pokémon connaît des capacités du même type que celui du Cristal Z, bingo, ça marche. Une fois que ton Pokémon tient le Cristal Z, il peut se servir de la Force Z en combat. Au fait, tu peux utiliser le Cristal Z autant que tu veux. Il ne disparaîtra jamais, tranquille. Ouvre grand les yeux et admire l'artiste. Machoke, il est Machoker avec le niveau. Et Machoker, à ma connaissance, il est avec le niveau ou pas? Oui. Non, pas de niveau. Échange. On se l'échangera. Okay. Frozen, t'es où là? Est-ce que t'es avec Euphorbe? Ça y est. Est-ce que t'es avec Euphorbe avec ces trucs Z? Ouais, t'inquiète, j'ai fait l'animation. Bah là, tu l'as fait là. Non, ça y est. Tu l'as déjà faite? Mais pourquoi tu... Bah ouais. Tu m'attends pas ou quoi? Si, je t'ai attendu. Bah moi, je suis en train de la faire. T'étais en train de faire... De quoi? Ah, t'es en train de la faire. Pour utiliser la Force Z, le dresseur doit transmettre toute son énergie mentale à son Pokémon. Ça use. Du coup, tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois par combat. Ça explique votre regard. Non, ça c'est parce que j'ai l'impression d'avoir oublié un truc très important. Comme si on m'avait attaqué avec amnésie. Ah, ça me revient, j'ai perdu de vue Lily, quelque part sur la route 3. La bourde, Kellyanne, tu peux bien aller la chercher pour moi? Je peux aller jeter un œil à la grotte au cas où. Ouais, c'est par en nous pour la chercher, ça ira plus vite. Quoi? Y'a quoi? T'es prêt? Ouais. Moi, tu sais ce que je vais faire là? Bah, je vais aller dans les hautes herbes, choper un bon dibou et un piaf à bec. Ça va être l'objectif. Hein. Ok? Comme ça, on aura un Machoc. Et puis on se fait un échange, après. On se fait un échange. On fait ça? Ouais. Ok, bah... Ouais, bon, ça y est, moi j'ai... T'as déjà un Machoc? T'as déjà eu un piaf avec? Bah non. En fait, non, t'avais pas fini. Bah non, bah tu t'entends ma voix quand je parle. Donc là, j'ai... Je vais faire Flamèche pour pas le tuer. Ah, mais là par contre, lui il va me tuer. Pokéball.
Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez. Oui, c'est bon. Machoke est à moi. Frozen, quand on aura tous les deux un Machoper, j'espère que c'est un bon dibou. Oh non. Boumidou. Oh non. Je l'ai attaqué. Non, je rigole. Je vais l'attaquer avec Piafabek. Parce qu'il échappe. Ça va. Oh, j'ai pu flasher sur qui devait venir. Allez, poursuite. Ne plus le tue pas. Oh non, je vais me faire défoncer. Oh, non. Je vais l'empoisonner. Je vais l'empoisonner. Arrête avec Parasport là. Bondibou appelle à l'aide. Mais what? Bondibou appelle à l'aide. Aucun Pokémon n'est venu à la rescousse. J'ai mis clic, j'ai fait choc mental. Purée, mais t'es trop. Bon debout. Tu me dis encore. Et voilà, j'ai bon debout. Maintenant, il reste juste à le capturer. Ah ouais. Je vais l'empoisonner, je pense. Allez, poudre toxique. Je vais faire que switcher. Ok. Oh, le poison, il fait rien. Tu fais quoi, Frozen? Je suis en train de XP. Ah ok, cool. C'est là, Bombidou, il est chaud à voir. Moi, j'ai plus. Thank you.
s'amuse. T'arrives? Bah, je suis sur le jeu, tu veux que je fasse quoi? Bah, si on prend la trois mois, je sais pas ce qu'on peut faire. Bah, venez, on se fait un combat en ligne. Allez, c'est le temps de le capturer. On peut se faire un combat multi. Ouais, c'est Dennis. Non, mais là, on parle sur un autre jeu parce que. Ah, ok. C'est encore Pokémon, mais. Une usine à canne à sucre. Ouais, t'as dit que tu voulais pas les pistons. Oui, mais une usine à canne à sucre sans les pistons aussi. Bon. Je vais pas refaire la forme à Nether Wars, ça va être trop chiant. Moi ? Ouais, non, on l'a fait. Par contre, où aller Nether Wars ? Pourquoi t'as tout ramassé ? C'est là ? Non, pas tout, tout le reste, ça sera. C'est le cul ? Ouais. T'aurais pas un pied à bec ? C'est parti, pied à bec. En plus, il est paralysé. MDR. Allez, échange. Machoke, viens à nous. Master Sensei, ça c'est un bien joli nom. Qu'est-ce qui peut être cool autour? On a FK et ça nous donne de l'argent. Youpi, je prendrai bien soin premier. C'est parti, on va échanger un autre Pokémon. Je vois, sa longue trompe. Eh, Yanis, t'as lu ou pas? Sa longue trompe lui sert à récupérer le pollen et le nectar des fleurs. C'est probablement ce qui a plu à mon chéri. C'est dégueulasse. Peut-être qu'il faudrait que j'en attrape un. Il faudrait que j'en attrape un pour comprendre ce qui fait son charme. Merci en tout cas, c'est tout ce que j'ai sur moi. J'espère que ça te suffira. Vous avez obtenu 3000 euros. Au calme. Frozen, tu l'as mis dans ton équipe, Machoke. Tu l'as mis dans ton équipe, Machoke. Quoi? Tu l'as mis dans ton équipe, Machoke. Ouais. Moi aussi. Ouais. Comme ça, après, on l'échangera. On fait l'animation? Attends 2 secondes. Moi, j'ai pas encore fait le truc. 2 secondes. Je fais juste un truc. T'as fait quoi? Tu sais, enfin, il t'échange miracle. Ouais. Il y a juste un. T'as dit quoi? Il n'y a pas voilà. Tu fais un. C'est juste un petit échange miracle. Ok. Juste un seul. Fais-le toi aussi. Ok, j'arrive. Petit échange miracle.
Genre ça, ça fait gagner un niveau. Par contre, le seul truc dommage dans Pokémon Lune, c'est que ça, il reste pas internet en continuité en fait. Il faut, faut aller sur la place à chaque fois, ça c'est chiant. Échange miracle. Échanger. Bombidou. Oh non. Tu me suis? Non. Vas-y, suis. Attends. J'ai une surprise. J'arrive. T'es prêt, Yanis? On va à la route 3 chercher Lily. J'ai mis la normale élite à Trump. Tu vois ces ombres qui bougent au sol? J'ai marché sur l'une d'entre elles et je me suis fait attaquer par Pokémon oiseau. Bon, il était mignon alors je n'en ai pas voulu. Ok. Yanis, tu sais qu'il y a une forme... Merde. La plus grande litière qui est droite. Oh, je piaffa bec. Ouais, qui fait pas moi. C'est nul. Ah, il est niveau 12 quand même. Putain. C'est bon, Frozone? Ouais, ouais, tu es là. C'est bon, moi je vais chercher Lily. Ah, un dresseur. Tous les Pokémon ont un talent particulier, il faut savoir les reconnaître pour gagner. Tu vas reconnaître le talent de mes Pokémon. Oh, un Psycho-Quack. Petite attaque feuillage. Faire attention au type de Pokémon, c'est bien. Mais faut pas oublier ceux des capacités. Agathe, la dresseuse en herbe, veut se battre. Chlorobulle. Pic-pic, ça va pas lui faire de mal. T'as battu les deux dresseurs?
Il a dit quoi? T'as battu les deux dresseurs? Non, là je suis en train de faire le deuxième. Ah. Vers le jardin où dansent les sauvages. Oh, le jardin de Melmel. Oh, il y a Lily, il y a Lily. Je l'ai trouvé. Wow. Doudou, ne t'éloigne pas trop. Ah, Kélian, c'est toi. Mon doudou s'est aventuré tout au fond de ces champs à fleurs. Alors qu'on vient d'éviter la catastrophe sur le pont suspendu, voilà qu'il refait sienne. Et il ne connaît aucune capacité en plus. Si des Pokémon sauvages l'attaquent, je crains le pire. Oh, oh my god! Ah ah, il est à ma recherche. J'adore me faire désirer. Là, je me sens vraiment aimé. Je vais me laisser chercher encore un peu. Oh, un chlorobule! Eh, mais c'est bien un chlorobule! Nectar jaune. Oh. Waouh, tu là, les Pokémon. Moi, un bon bibou, ouais, mais arrête de me larguer, toi. J'ai pas envie de l'attaquer. Niveau 19. De quoi? Mon chouette. Pas chouette, hein. Tu l'as vu ou pas, Lily? Tu l'as ouais. Vu? T'as vu où il est, son Pokémon? C'est chaud. Ouais, il est sur une plate. Et il y a même des dresseurs en plus. Je cherche ma copine, elle m'a planté là. Je me demande si elle est en train de poursuivre un papillon quelque part. En vrai, elle est juste derrière lui. Nectar jaune. Pigvenin. What? Oh! Mec, Yanis, je pense que tu vas être content. Il y a un endroit où on peut prendre des photos. Quoi? Il y a un endroit où on peut prendre des photos. Quoi? Oh, c'est trop beau! Cool. Oh, il y a un bondilou! Oh my god! Yo, t'as vu Pokémon Cumuline? Non. Hein? Non. C'est l'évolution de. Comment il s'appelle? C'est l'évolution de. Je sais plus comment il s'appelle. Non. Enfin, du coup, t'es dans Pokémon, tu sais, de la baie jaune. Oh, c'est trop joli, ça. Et j'ai eu 3700! Ah.
3700! Oh là là! Vas-y, moi j'arrête le spot de photo. Je le ferai après. Attends! C'est parti! Je vais voir le piou. Piou! Ah, c'est bon, je l'ai ramené. Tu es vraiment intenable. Piou! Merci beaucoup. Et merci à Eflèche. Tiens, je vais soigner ton équipe. À propos, j'ai lu quelque chose de vraiment étonnant. Apparemment, il existe un Pokémon appelé Plumeline qui changerait d'apparence en aspirant du nectar de différentes fleurs. Il ne s'agirait pas d'une évolution, mais d'un simple changement de forme. J'aimerais bien voir ça de mes propres yeux. Piou! Toi, Doudou, dans ton sac. Il n'y a pas grand monde ici, mais ce n'est pas une raison pour faire le fou. Bon, je vais y aller, sinon le professeur va finir par se faire du souci. Ok. Yahoo, Kéliane! Et Lily aussi. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai fini l'épreuve, les doigts dans le nez. Faisons un combat là tout de suite. Je veux voir si l'épreuve m'a rendu plus fort. Quoi? Frozen, t'as vu ou pas? On affronte Tilly. Quoi? On affronte Tilly. Attends. T'en es à où? Yes. Bah voilà, j'affronte Tilly. Juste maintenant. On va se faire défoncer. À faire trancher herbe. Et voilà! Pas le temps. Master Sensei. Au taquin! Oh, bah on va le battre. Gars. Trancher herbe. Ton Master Sensei, il vaut combien? Il est niveau 10, pourquoi? Il est niveau 15. Tu l'as fait combattre? Ouais. Ah non, en fait, le mien, il est niveau 13. Là, j'ai fini. Moi aussi. On fait quoi, maintenant? Toi et moi, on a vaincu le Pokémon dominant. Je me demande si j'arriverai à battre Papé un jour. Je vois que tu as retrouvé Lily. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci. Alors comme ça, t'as réussi l'épreuve. Tranquille. J'espère que t'as utilisé les capacités qui vont bien et tout. Pour qui me prenez-vous? Je suis sûr que le vieux Pectorus ne tient plus en place à l'heure qu'il est. Hein? Pourquoi? J'ai réussi l'épreuve, ça veut dire que je vais devoir me battre contre Papé. Exactement, le duel contre le doyen de l'île, c'est ce qu'on appelle la grande épreuve. Pour moi qui étudie les capacités des Pokémon, c'est l'occasion d'assister à un max de combats plus cool les uns que les autres. Vous me mettez la pression, professeur. Allez tous à Lily, chopons le vent arrière et descendons la route 3 avec style. T'en es à là? Ouais. Alors, on va défier Pectorus, courage. T'as battu le doyen? Retour à Lily. Moi, rien à faire, c'est que je vais aller pêcher, Yannick. Quand je te vois, mon cœur bat la chamade et je brûle d'utiliser un carton rouge. Montre-moi que tu es de taille à vaincre tous les dresseurs de la route 3. Et nous combattrons. Ah d'accord, donc il faut battre tous les dresseurs et après il faut le voir. On va s'arrêter là pour cet épisode, je pense. Ouais. À très bientôt, salut. Salut.